Et salut Moussaillon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est avec Amélie ici et Justine. Hello. Alors aujourd'hui on fait un concept très très simple. En fait on est proche de Paris, on est à la base de loisirs de Jablines. Et le principe c'est de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut progresser et s'amuser en voile, bah, pas loin de Paris. On va faire du kata aujourd'hui. Alors je sais pas exactement quel style, enfin quel type de kata on fait. Je suis pas du tout un expert donc ça va pas être un topo kata. Mais voilà, on va kiffer, on va aller sur l'eau, on va se préparer et ensuite on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais suffisamment pour s'amuser et aller sur l'eau. Vas-y, fais-nous la visite, Amélie. Ici, là, vous avez les planches à voile, là, vous avez les voiles, derrière, vous avez d'autres planches, puis ensuite, les katas, bon, ils sont dehors. Et donc voilà, on se retrouve dans le vestiaire. Le principe, c'est de mettre cette petite combinaison pour avoir chaud, parce qu'il caille un petit peu quand même. Là, on est fin avril, et voilà, je vous retrouve juste après. Pousser comme ça. Et me voilà sur mon kayak. Voilà, donc on va naviguer sur des darts 16. Petit catamaran. On va bien s'amuser finalement, il y a plus de vent qu'attendu. Je pensais qu'il y aurait moins de vent. Donc c'est cool. Vous allez vous asseoir. Let's go! Allez, on suit, on rappe. Et voilà, Moussaillon, on est parti. On a eu un petit brief de la part de Pascal. Et ça y est, on avance. Le problème, c'est qu'on peut être que deux sur un kata. Donc on a laissé Amélie tout là-bas, là, toute seule son kayak. Et on la récupérera plus tard, on va tourner. Et pour l'instant, bah, c'est Juju à la barre. Et voilà, ça avance. Allez, voilà, bah on va commencer par là, c'est pourquoi je suis là depuis 33 ans maintenant, donc au niveau du centre nautique. Bah, tout simplement puisqu'on est sur une des 12 bases de loisirs, bah, île de loisirs du Conseil Régional Île-de-France, et que l'environnement que vous pouvez apercevoir autour de vous n'a pas changé, avec une forêt dominiale qui est tout autour, donc aucune habitation, et un grand plan d'eau de quasiment 100 hectares, où on peut venir pratiquer aussi bien les activités à la voile, que les activités en rame, donc voile, catamaran, planche à voile, à rame, tout ce qui est canoë, kayak, paddle qui explose, et naturellement les pédalos durant la saison. La base de loisirs date d'il y a 50 ans, donc c'est des anciennes carrières, des anciennes sablières, et l'avantage de cette sablière, c'est qu'on a une clarté d'eau qui est quasiment de 8 mètres, donc c'est la clarté d'eau qui est la plus importante en région Île-de-France, et on n'est pas envahi par les algues par rapport à d'autres structures, heureusement. Ce qui permet comme ça tout ce qui est planche à voile, toutes les nouvelles activités avec le foil, ils peuvent venir s'éclater sur notre structure. Quoi. Et on est à moins d'une demi-heure de Paris, donc c'est encore un avantage supplémentaire d'être quasiment à la campagne, loin de tout, de toutes les nuisances sonores, puisqu'on n'a pas de bruit, ni de voiture, ni d'avion, ni de train. Et on entend, comme vous pouvez l'entendre, des petits oiseaux. Donc, le top. Ça avance bien ? Bah, franchement, oui, nous. Là, un peu moins bien, mais évidemment, mais... Bon, bah, ça y est, ils sont déjà partis. Je suis maintenant seule. Allez, on va rejoindre la bouée rouge. Allez, hop là ! Plus vite ! Oh ! Regardez, là-bas, on a un petit poisson jaune. À l'abordage ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Trop compliqué ! Seb, on va t'accrocher quand même ! Allez, viens ! Non, il faut que tu te mettes. Il veut plus ! Il s'enfuit ! Il s'enfuit ! Et voilà les moussaillons, l'intérêt de savoir bien faire ses nœuds rapidement. Est-ce que je te mets à la pression là ou pas? On est parti! Ça, ça décolle hein! Allez! C'est parfait! D'après Justine, on jette, regardez comme la coque se soulève! Incroyable! Et boum! Amélie qui passe à la barre, petit virement, et c'est bon, c'est passé! Ça, c'est le métier de youtubeur, rien foutre! Petite astuce! On laisse la voile avant à contre, comme ça on fait bien tourner le nez du bateau. Et ensuite, hop, on choque, on récupère ici. Et voilà. Et on repart. C'est parti. Allez à fond là. Regardez, on va plus vite que les foils. Allez. Allez. Ah. Et j'ai bien que tu rentres. J'ai eu peur du coup qu'il y avait un truc grave. Il y a moyen que tu coules hein. Waouh! Pardon! Ça tourne? On est passé là ou pas? On est passé? Voilà, c'est bon, c'est passé! Ça, c'est qu'on va très vite! Là, on fait du cabotage en fait! C'est quoi du cabotage? C'est quand on longe les côtes!
T'es sûr de toi? Oui, je suis sûr de moi, capitaine. La voix devant. Est-ce que là je filme? Oh putain, non! Ah non, le pauvre, Justine, faut aller le chercher là. Ça va, t'as l'air bien. Alors, l'astuce pour réussir sa jambe en mort, c'est prendre toujours avoir un peu de vitesse. C'est comme si vous essayiez de tourner avec une voiture qui n'avance pas. C'est compliqué, les roues tournent, mais la voiture ne tournera pas. Direction la base, on va aller se réchauffer, on va aller manger. Ça va être bien, contente? Miam! Vous avez kiffé votre navigation? Bah franchement, ouais. Ouais. J'ai fait des virements de bord réussis, plus ou moins. Des empannages, des mises à la cape. Des virements de bord suffit d'un empannage. En 100% maîtrise en plus. En 100% maîtrise. Donc le principe maintenant, c'est qu'on va aller retirer ça, la combi toute mouillée. On va les manger et voilà, à tout de suite. Après l'effort, le réconfort. Et voilà, c'est bon, on a terminé notre session, donc on va faire un petit débrief très rapide. Franchement, c'était une très agréable surprise. Je suis grave étonné, il y a eu de très bonnes conditions, on s'est bien amusé. Il y a eu un super accueil de la part de Pascal, donc ça fait toujours plaisir. Et puis le matos était en très bon état, très bien entretenu. Donc voilà, que des compliments. T'as quelque chose à rajouter? C'était génial. donc là on est allé en voiture, mais évidemment c'est possible d'y aller en transport en commun, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait très bien. Vous pouvez y aller en transport en commun et après prendre le vélo depuis la gare. Il y a aussi plein d'autres bases de loisirs évidemment dans la région, donc vous pouvez aller voir, moi je les connais pas encore. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que j'aille visiter un petit peu toutes les bases de loisirs et que j'aille vous faire un petit répertoire, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner. Et donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.